Moi, je vous aide à accomplir vos rêves. Vous rêvez et moi, je les réalise. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Merci beaucoup, Ludovic, c'est un honneur. Alors, est-ce qu'il y a des porteurs de projets dans la salle, les gars qui rêvent là? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, les gars qui lisent déjà l'heure sur le terrain? Ceux qui se sont déjà lancés. Moi, je ne suis pas camerounaise, je ne suis pas camerouineuse, mais je vous donne l'argent. Moi, je vous aide à accomplir vos rêves. Vous rêvez et moi, je les réalise. Je suis Kelinga Meni, je suis conseillère en investissement financier de profession. Je suis promotrice du cabinet de conseil en finance et stratégie Connect and Invest. Nous sommes le seul cabinet en Afrique aujourd'hui qui accompagne gratuitement les entrepreneurs à trouver des financements. Ben oui, c'est gratuit. Il n'y a pas de piège. La seule question par contre que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai la volonté? Est-ce que je peux donner toute la motivation? Est-ce que je peux donner de mon temps, de mes talents et de mes trésors pour atteindre mes objectifs? Est-ce qu'il y a un entrepreneur dans la salle que j'ai déjà accompagné à atteindre ses rêves? Yvette K, témoin. Esther Bois, témoin. Voilà. Donc, pour ceux qui lisent déjà l'heure sur le terrain, pour ceux qui sont déjà lancés, ils le savent très bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça, personne ne discute. Les entrepreneurs, le docteur a parlé du stress et de l'AVC. C'est ça qui leur donne l'AVC. Ils cherchent tous l'argent. Mais c'est vrai, peu importe le niveau de projet, qu'ils soient porteurs de projet, qu'ils aient des idées d'affaires, qu'ils soient déjà sur le terrain, la question revient toujours. Kelly, il n'y a pas l'argent. Tu me donnes combien, quand? Donc, c'est la même question qui revient. Et moi, je suis là pour vous éviter ce stress. Je vous évite de stresser. We make you bankable, je vous donne cet argent. Mais comment on fait? Donc, nous avons joint nos forces à JCA, le réseau Je Consomme Africain, et à la Diaspora Bank pour développer un programme de financement pour les startups africaines en 12 mois. Voilà. Je tiens à préciser que la Diaspora Bank, c'est la seule banque aujourd'hui qui accompagne les Africains, la diaspora africaine, à investir, à développer leurs projets en Europe et en Afrique. Parce que là, dans la diaspora, on s'en sort bien, il y a des banques qui nous financent en Europe pour des projets qu'on va porter en Europe. Mais dès qu'on sort de l'Europe et qu'on va déjà en Afrique, ça devient compliqué. Donc avec la Diaspora Bank, on a développé un produit, un programme qui résout ce problème. Non, il n'y a pas de stress. On a l'argent, on est là pour ça, on vous donne. On vous évite de stresser. Exact. Donc c'est quoi le programme de financement pour les startups en 12 mois? Donc pendant les 12 mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec vous sur votre idée d'affaires. On va vous aider à faire vos études de marché, vos études de terrain. On va travailler sur la stratégie commerciale. Ensuite, on va vous aider à développer, à tester ces stratégies sur le terrain, à développer le chiffre d'affaires pour ceux qui sont déjà sur le terrain. Et enfin, on va vous rendre comme le miel. Tout le monde sait que le miel attire les abeilles. Donc, cette fois-là, on va inverser la tendance. Vous n'allez plus chercher des financements, vous n'allez plus rechercher des investisseurs, mais c'est les investisseurs qui vont vous chercher. Les gars ont l'argent. En fait, il n'y a pas de projet fiable dans lequel ils vont investir. Nous, on va faire ce qu'on dit, we make you bankable. Voilà. Donc. Et une fois que vous serez finançable, une fois que vous serez fiable, au bout de 12 mois, une fois que vous serez bankable, les investisseurs vous cherchent. On a inversé la tendance et là, il n'y a plus de problème de financement. On n'a pas besoin de stresser. Donc, voilà en quoi consiste le programme. Pour en savoir plus, je vous invite à me retrouver là derrière au niveau du stand de Copili. Et voilà, je vous remercie. Ceres James. TBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3-2. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Édition argent livre. Concrétisez vos rêves à changer de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à argent livre. Et y a ce
ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire. Laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Ou s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On rencontre les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à la belle place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux ouais. Qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Weekend. Weekend de l'écrivain. Weekend. Weekend de l'écrivain. Weekend. Weekend de l'écrivain. Bienvenue, weekend de l'écrivain. Weekend. Weekend de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.